Bonjour les petites étoiles, bienvenue sur ma chaîne YouTube Étoiles filantes bleues qui vous guide. Pour ceux qui me connaissent déjà et qui ont déjà vu mes vidéos, eh bien, merci d'être là. C'est très apprécié, ça fait chaud au cœur. Je suis toujours contente d'être avec vous. Et pour ceux qui ont cliqué aujourd'hui par hasard, eh bien non, il n'y a pas de hasard. Il y a sûrement un message ici qui vous concerne. Les guidances sont générales, sont intemporelles, donc évidemment, peut-être que tout ne concordera pas ou ne sonnera pas avec vous. Donc si jamais c'est le cas, eh bien vous pouvez cliquer sur une autre guidance ou attendre une nouvelle guidance que je ferai bientôt. Alors on va commencer. Avec, ici, j'ai pris le Light Seal Tarot aujourd'hui. Et nous allons commencer ici par le travail. Donc, qu'est-ce qui se passe à votre travail? Le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée. Bon, écoutez, à votre travail ou dans vos... dans votre situation professionnelle, vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous pensez à des opportunités que vous avez eues, que vous avez manquées, tout ça, mais il faudrait voir vers l'avant et voir vos nouvelles opportunités. Vraiment bien regarder autour de vous. Mais pour l'instant, votre impression, là, c'est que vous n'avancez pas et faut laisser passer les opportunités que vous avez manquées pour faire face aux nouvelles qui sont devant vous et pour pouvoir les voir. Donc c'est ça. Pour la famille, le foyer, tout ça. La roue. Bon. Il y a beaucoup de mouvements, hein? Il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau. Moi, je vous dirais que, ben écoutez, c'est pas vous, là, c'est vraiment la roue, là, c'est quelque chose que vous pouvez pas arrêter. Il faut aller de l'avant, pas avoir peur du changement et vraiment faire confiance, car c'est pour le mieux. Donc, tout ce qui vous arrive présentement, croyez que... Ayez pas peur parce que ça va être une fin heureuse, là, c'est pour le mieux, OK? On va voir au niveau qu'est-ce qui arrive, les imprévus, tout ça, les choses qui arrivent. Bon, c'est le 2 de bâton à l'envers. Bon, écoutez, le 2 de bâton à l'envers, c'est un peu, vous avez comme le sentiment de stagner, que ça avance pas. Vous êtes un peu comme... un peu stagnant, chambranlant, là, à ce niveau-là. T'sais, quand il vous arrive des choses, bon, vous savez pas trop quoi faire, comment faire face à la chose. Mais il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur et puis faut pas avoir peur de vous faire confiance, d'aller de l'avant, OK? Après ça, ici, comment vous jouez vos cartes en général. Le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, ça vous dit de... vous avez des désirs, mais vous sentez que vous n'avez pas tout, les informations pour choisir... vous hésitez parmi... mais ça dit de faire confiance à vos désirs, à vous faire confiance pour bien choisir. Dans la vie, on n'a jamais tout, les informations nécessaires pour choisir. Et faites-vous confiance, allez selon votre cœur, vos désirs. Et juste pour dire que... ça va bien aller, n'ayez pas peur, OK? Et comment ça va, où ça nous mène tout ça, là? C'est quoi les aboutissants? C'est où ça nous mène?
Le 2 de coupe. Eh bien, les amis, mes petites étoiles, ça a tout l'air que notre tirage d'aujourd'hui en est un qui nous parle d'amour. Écoutez, ça, vous allez rencontrer ou vous allez consolider. Ça parle de mariage, ça parle d'âme-sœur, ça parle d'amitié très, très forte, de connexion. Alors, n'hésitez pas, là, vous allez rencontrer, c'est très important, les personnes ou la personne que vous allez rencontrer ou celle peut-être que vous avez rencontrée puis que vous voulez consolider. Si vous hésitez, là, moi, je vous dirais, n'hésitez pas, c'est votre âme sœur. Faites confiance à votre ami parce que lui, il est très connecté avec vous. Vous êtes comme ça, vous n'avez pas peur de lui faire confiance. Ça se peut vous rencontrer des nouvelles personnes, ça va être des nouvelles personnes importantes. Et si jamais vous avez une demande de mariage, eh bien, moi je vous dirais que c'est la bonne personne, là. D'accord? Donc, qu'est-ce que le Mystical Wisdom Oracle a à nous dire pour compléter? Angel of Miracle. Donc, ça dit « Open your heart and expect a miracle ». Expect a miracle. Donc, c'est vraiment ici. Tu sais, on disait tantôt comment vous jouez la game, comme on dit. Ouvre ton cœur. Et puis, les choix vont se faire selon ton cœur. Et puis, vous allez voir, les choses vont aboutir de façon positive. Mes petites étoiles, j'ai pas dit tantôt, mais... J'espère que vous avez une question pour mes anges ici. Donc, je vous laisse une petite seconde pour penser à une petite question que mes anges vont vous donner la réponse. Donc, voilà. Qu'est-ce que les anges ont à dire? Oh, oh! Bon, ça va un peu avec ça, hein? Ça dit d'avoir confiance. Donc, les choses vont bien aller. Faites vos choix selon votre cœur. Ayez confiance, open your heart, ouvrez votre cœur, vous allez avoir des miracles. C'est un peu ça de ce que ça parle ici. Et puis le miracle est sûrement ici. Donc, oubliez les choses, les opportunités du passé, ce sentiment d'un peu d'incompétence que vous avez par rapport à des décisions. Lâchez ça. Faites confiance à ce qui se passe. Ça va bien finir, les événements, vous allez voir, même si vous ne savez pas, dire comment ça se fait que ça arrive, tout ça. Bon, ayez confiance, ça va bien se terminer. Et puis, bon, peut-être on aura un mariage. Du moins, des rencontres importantes. Et puis, soit des amitiés, un grand amour, l'âme sœur et tout ça. Ben, écoutez mes petites étoiles, si vous avez aimé le tirage aujourd'hui... Eh bien, mettez-moi un petit pouce. Écrivez-moi des commentaires. Si vous voulez plus savoir plus de choses, si vous avez des thèmes que vous aimeriez dont je parle dans les guidances, eh bien, demandez-le-moi. Ça va me faire plaisir de le faire pour vous, évidemment. Et abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, et puis activez les notifications. Vous saurez à chaque fois que je fais des petites guidances. À ce moment-là, vous seriez informé à chaque fois. Eh bien, là-dessus, mes petites étoiles, je vous laisse aller avec ça, avec ce beau tirage, et je vous dis namasté. Bye-bye!